Donc voilà, on va regarder un petit peu, on va. J'ai pas du tout regardé avant, moi j'ai pas eu le temps en fait. Donc on va explorer ça ensemble. N'hésitez pas si vous avez le moindre commentaire ou la moindre question, au contraire. Donc c'est ça pour passer au suivant. Et on est parti. Salut GoDD. La pêche, je viens d'acheter attaque et défense. Ok, ouais, j'ai acheté récemment, l'année dernière aussi, ouais. Il est très sympa, tu vois. Le niveau est pas très haut. Bon, t'inquiète. T'inquiète, t'inquiète. Pour l'instant, il n'y a aucune erreur, t'inquiète. Alors, Oshi, Komoku, Komoku, Sansan. Très bien. Ça fait un Ogema. Ça prend, ça prend. Jusque-là, y a aucun souci. Hein. Il n'y a aucun souci. C'est vous respectez le coin bord-centre, voilà, vous vous établissez tous les deux. Il n'y a pas de problème. Noir, on pourrait se dire, à partir du Hoshi, il pourrait plutôt aller approcher en D16, mais il n'y a aucun souci, franchement, à prendre O17 et à faire un VO de coin, en fait. Aucun souci avec ça. Il aurait pu jouer 1-1 quand même. Joue S15. On a tous démarré au même niveau. Ouais, voilà, on a tous démarré au même niveau. Donc là, tu peux très bien venir ici au Sansan. C'est peut-être un petit peu précoce parce qu'en fait, le maximum que tu puisses obtenir de ce coup-là, c'est normalement un ko. Tu peux vivre par ko. Mais au début de partie, on aime à dire, surtout là aussi, vraiment au tout début, qu'il n'y a aucune menace de. Il n'y a aucune menace de ko. Donc c'est un peu peut-être un petit peu tôt de venir en R17. La séquence de ko, c'est normalement noir bloque de ce côté car il a déjà une pierre dans sa direction en O17, donc pour mettre de la pression c'est mieux. C'est ce qui a été fait dans la partie, je pense. Hein. Voilà. Blanc augmente au maximum son espace vital, ben, c'est ce qui a été fait dans la partie. Je vais pas regarder encore, je vous dis. Ensuite, noir bloque, c'est ce qui s'est passé. Et ensuite, blanc peut venir ici. Noir vient là. Blanc fait une gueule de tigre. Si je ne sais plus lequel de vous deux regarde pas mal des vidéos de Mathieu Delizotti, ben c'est là, il reconnaîtra du coup la forme du scorpion. Noir fait Atari. Et blanc résiste en créant un coup. Donc voilà, ça c'est le maximum que vous pouvez obtenir. Moi, ok, nous deux je crois. D'accord, ok. Merci pour l'abonnement de cette gars, merci beaucoup, c'est super sympa. Merci à toi et à Crow d'ailleurs. Donc, dans la partie, ça s'est pas passé comme ça. Blanc a joué d'abord de ce côté. Ok. Noir résiste. Et là, il y a un petit problème. C'est que lorsque blanc vient ici, par exemple, normalement, tu meurs. J'ai l'impression. Ou alors, il y a encore ko. Je me demande s'il n'y a pas encore ko. Tac. Si on vient là, mais j'ai l'impression que non, en fait. J'ai l'impression que non. Tac, tac, tac. Il y a un ko. Le problème, c'est qu'il est défavorable. Vraiment défavorable, j'ai l'impression. Est-ce que Noir peut obtenir mieux que ça? J'ai pas l'impression avec ça passe pas très bien. Alors c'est co également en fait. Il n'y a que des co en fait. Comment est-ce qu'on peut punir ça? Peut-être comme ça tout simplement. Atari, Atari, ouais voilà. Non, il y avait bien une manière. Ça meurt si on fait ça. Donc noir fait année. Blanc protège. Noir fait Atari. Blanc protège. Noir fait Atari. Blanc protège en descendant ou en capturant. Et tu reviens protéger. Il n'y aura qu'un seul œil. Aucun moyen de couper ça, hein, il se passe rien. On peut s'en aller des deux côtés. Donc c'est impossible de tuer un côté ou l'autre avant de mourir. Donc ça marche pas. J'ai hésité à faire un dé. Ouais, bah je comprends. Le petit indice ici, c'est. Souvent avec. Avec cette forme-là, alors comment on utilise ça? Tac. Ici. Les deux pierres blanches se prennent déjà un année à la tête de deux pierres. Donc c'est assez désagréable de se prendre l'autre année, parce que ces deux pierres n'ont déjà plus que deux libertés. Donc ça met beaucoup de pression, effectivement. Hop, je vais revenir sur le jeu. Le prochain coup, ça a été Noir Tenoki. Ok.
Ok. À savoir que oui, effectivement, dans la partie, si noir descend et que blanc descend, là, ça serait une erreur de la part de blanc. Il faut revenir prendre le coup comme ça, si noir décide de descendre. Parce que si on vient ici, du coup, c'est ça dont tu parlais tout à l'heure, Mickey, noir vient en T17, blanc vient en T18, et noir vient en S19 et tue. Donc là, je vous renvoie vers les vidéos de Mathieu Delisotti qui a beaucoup parlé de ça dans une vidéo, donc c'est assez complet. C'est assez complet. Il n'a pas tant que ça de vidéos dans les vidéos récentes, donc n'hésitez pas à aller checker. Et je vous mettrai le lien si jamais vous ne trouvez pas. Alors, blanc est mort, c'est bon, j'ai réussi, j'ai hésité à faire un nez. T'as l'avantage de la forme, Mickey, faut pas hésiter. Je vais passer juste faire un coucou, je retourne faire mes parties sur Fox. Bonne partie à toi. Bonne partie. Tu verras plus tard en fin de game. Ok, d'accord, ça revient. Il me semblait que tu m'avais dit que la forme se manifestait, donc on va voir ça. Il s'est passé exactement ça, ok. Faut que j'apprenne des Jose Seki surtout. Bon, ça c'est une punition assez courante en fait, tu vas la retrouver de temps en temps dans tes parties. Je vais pas dire souvent non plus, mais ça revient quoi. Et surtout en fait, apprendre les Jose Seki, surtout les comprendre je dirais, parce que les formes vont revenir régulièrement, c'est surtout dans ça que ça va t'aider. Bien sûr, il y a quelques-uns de base. Il faut connaître, mais ça dépasse pas les 12-15 quoi. Et après, c'est surtout la compréhension de forme, ça revient souvent. C'est vrai qu'apprendre les Joseki de base, c'est très utile quand on démarre. Ouais, voilà, c'est ça, notamment pour des formes et tout. Ouais, Godédé dit, je répète ce que dit Godédé en fait. Les formes surtout, beaucoup de Joseki utilisent les formes de base. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Donc, dans la partie. N'hésitez pas si je vais trop lentement ou trop vite. Trop vite, ça m'étonnerait, mais blanc prend une extension de ce côté. Pourquoi pas? On va pas commenter tous les coups non plus. Noir prend une extension de ce côté. Ok, donc là vous jouez les bords maintenant que les coins ont été joués. Donc cette situation est laissée, on va pas y revenir. Effectivement, pour blanc ici, on pourrait se dire peut-être que c'est plus intéressant de venir par ici. Parce que il suffit de regarder quels sont les bords les plus intéressants. En tout cas, l'idée de jouer une extension cette pierre est intéressante parce qu'on peut se faire écraser en D16, donc c'est assez intéressant effectivement, ça c'est bien. Mais ici, si on regarde, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, contre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc rien que visuellement, il y a peut-être un peu plus d'intérêt à jouer de ce côté. Ou alors de menacer à jouer de ce côté, parce que là quand on joue F17, on s'écrase un petit peu de ce côté qui a moins de potentiel. À la rigueur, on peut jouer en quatrième ligne pour menacer déjà de faire un territoire potentiel, un moyeu. Ou alors venir directement par ici. Et venir s'installer, voilà. Dire j'investis sur ce bord parce qu'il y a pas mal de place. Même si tu ne connais pas le Joseki, tu reviens aux formes de base et tu auras rarement un résultat catastrophique. Ouais. Ah bah GG off-scream. Une étape par une étape, de toute façon. Donc, et ensuite noir, c'est un peu la même logique en fait. Ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ici, il y avait 11. Et ici, il y a 11 également. Parce que c'est 1 de plus vers là et 1 de plus vers là. Ouais. Donc, le bord ouest et le bord est ont l'air plus intéressants pour noir que le bord sud. Donc soit tu fais la même strat que je disais avec le F16, c'est tu joues de ce côté pour faire une boîte plus grosse et inviter l'adversaire à venir pour l'attaquer parce que tu es fort des deux côtés. Donc avec un coup comme K4 qui peut être intéressant car blanc aimerait bien y jouer car son Shimari y regarde. Ça peut être ça joue en ta faveur tout en empêchant à blanc de prendre un bon coup. Donc c'est sympa. Après, tu as l'autre option où tu t'installes. Et là, tu menaces clairement de prendre pas mal de points. Ou alors, tu as aussi l'option d'aller dans l'espace de l'adversaire, car tu sais que s'il vient d'un côté, tu peux t'installer l'autre, et vice versa. Donc il y a encore la place, et tu peux te dire, moi je vais y aller, parce que, avant qu'il ferme lui-même son espace. Voilà. Tout ça, ça dépend de la stratégie aussi, hein. Tu as plusieurs choix, ça dépend de la strat, de ce que tu veux...
faire ce que t'aimes bien faire aussi, parce que si tu invites l'adversaire à venir, t'aimes bien le combat un peu, t'aimes bien faire courir l'adversaire pour construire, etc. J'y suis allé plus tard, sur le bas, là-bas, effectivement. Ok. Ok, ok. Hop. Donc tu viens en bas. En fait, c'est que c'est un peu écrasé ici. C'est pas mauvais en soi, hein, je pense. Hein. C'est un détail, mais un petit peu écrasé. Et blanc vient ici, prend une extension de son Shimari. Et noir vient de ce côté. Ok. Pourquoi est-ce que tu as joué R12 noir, du coup, Mickey? Pour la règle de l'extension? Qui est de N plus 1, donc N, 2 pierres, plus 1, 3 espaces. Ok. Après, là, dans ton mur, tu peux peut-être te dire... déjà, avec le go moderne, bon, moi, j'ai un peu de mal aussi avec ça, hein, mais on me dit que maintenant, au maximum, les extensions sur ça, ça va être plutôt 2, voilà. Mais ici, en fait, ton mur, tu peux plutôt te dire, c'est tout ça. Hein, tac. C'est plutôt ça, ton mur, finalement. Donc, jouer aussi proche. Imaginons la suite. Blanc vient ici et tu décides de sauter. On a l'impression qu'il y a un investissement de pierre pour une zone qui va faire 5 x 3, 15 points, peut-être un peu plus. On a l'impression que tu as utilisé beaucoup de pierres pour pas grand chose, entre guillemets. Et dans ces formes-là, on va dire que tu es que noir et surconcentré, en fait. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'ici, tu peux jouer un peu plus loin, car tu es fort des deux côtés. Donc si la blanc vient ici ou blanc vient là, tu pourras lui mettre une pression directement, il n'aura pas le temps de d'attaquer vraiment ta pierre, même si tu joues un peu plus loin. C'est assez puissant, c'est chez toi. Alors, ça me paraissait trop loin de jouer en R10 ou Q10. Déjà ici, plus Q10, effectivement, en quatrième ligne. Parce que sinon, tu vas vraiment jouer plat et proposer à l'adversaire de t'écraser. Rien qu'avec ça, blanc vient là, il t'écrase direct et on voit que tu vas faire des points sur la troisième ligne. Et finalement, c'est pas tant que ça de 2 par 2. Donc il faut jouer un peu plus large. Quand tu as des forces comme ça, n'hésite pas à jouer sur la quatrième ligne. Ce qui était un peu le même raisonnement pour blanc, du coup, pour Osalinho. Comment c'est le pseudo ici? Osland? Oui, c'est ça. De jouer en quatrième ligne ici, plutôt des 10 que écrasé. On voit direct, c'est troisième ligne, ça serait un peu plat. Il n'y a pas besoin, c'est comme si l'adversaire t'écrasait sans y jouer, c'est un peu bizarre. Donc plutôt jouer des 10 ou des 11. Tac, ça me... R10 semble équilibré vu que tu as les deux côtés. Ouais, R10 mais ou Q10, ouais. Osa, ok, Osa. Ça roule. Hop, tac. Et blanc vient à l'intérieur. Ok. Tu lui mets la pression. Et il vient vivre. Sache que à ce moment-là, quand blanc joue ici, tu peux descendre là. Et là, tu mets direct, tu retires une liberté à cette pierre, et tu mets direct la pression, tu lui dis, tu peux plus aller de ce côté. Tu lui retires une de ces directions. Souvent, les pierres ont trois directions, par exemple, ces pierres-là, elles ont une direction par là, une direction vers le centre et une direction sur ce bord-là. Pareil pour celle-ci, elles ont une direction par là, vers le centre et par là. Donc quand elles ont trois directions, les pierres en général on dit que c'est ok. Donc là c'est plutôt pour blanc que je m'adresse, hein, finalement. Donc les directions sont assez importantes. Tu vois que celle-ci peut être bouchée assez rapidement, donc si tu pousses par ici, c'est toi qui d'abord enlève une liberté à noir. Si noir décide de venir là, finalement tu t'abîmes énormément cette pierre et tu t'installes tranquillement. Si noir veut protéger cette pierre, ben tu t'en vas et finalement tu t'installes un petit peu. C'est assez agréable. Et si noir recule, tu reviens là. Et finalement, la différence avec l'autre séquence, c'est que tu as pu obtenir l'échange R9 Q10 avant. Et du coup, tu as un peu plus d'espace vital. C'est quand même intéressant. Donc autant pousser sur la pierre adverse d'abord, et ensuite revenir faire ton coup d'espacement. Après noir, plutôt dans l'optique de t'enfermer. Et c'est pas une mauvaise idée d'enfermer. Mais là, blanc a l'air de pouvoir vivre trop facilement.
il s'étend, il fait un espace assez correct. Il menace en plus, il reste des points de coupe. C'est assez embêtant pour noir, je trouve. Parce que blanc a déjà pas mal de cash ailleurs. Donc ouais, noir, en fait, pour utiliser le mieux sa, ses forces, comme blanc a joué très territorial depuis le début, et là, noir, il a quand même un mur, autant mettre la pression, toucher l'adversaire, et si blanc monte, ici, t'as une belle forme qui est de faire double année comme ça, et de vraiment l'enfermer, forcer l'adversaire à vivre comme ça, et finalement, toi, ici, tu crées un autre mur en face. Et là, tu as deux murs qui se font face et y a un... ça reste du potentiel encore, mais un potentiel qui est assez conséquent. Finalement, tu aurais autant de points ici que pour l'instant ce que blanc a l'air de faire comme points. Sachant qu'ici, ça peut encore mourir dans le coin, mais on va oublier ça. Donc la force, ça peut être intéressant également. Alors, double année, c'est pas risqué là, ça prend pas trop de coupe. Tu peux te faire couper, bien sûr. Tac, je reviens sur le jeu. Tu peux te faire couper. Mais si tu te fais couper, si tu te fais couper de ce côté, finalement, ici, il n'y a pas trop de problèmes non plus. Imaginons ça. Tu dois quand même revenir vivre. Donc il n'y a pas trop de problèmes, finalement, tu as encore un peu plus renforcé noir. Donc ça a l'air d'aller pour noir. Et si tu fais atterrir de l'autre côté. Tac. Et c'est quoi? C'est faire contre-atterrir. Attention, il y a une faiblesse ici en Q7. Donc t'es obligé de protéger, et on revient à peu près aux mêmes séquences finalement. Donc ça change pas grand chose. Salut Louis, comment ça va? Moi ça va bien, merci. Ouais. Ça va bien, on commence une partie entre deux joueurs vers 20 Q. Je pensais pas pouvoir tuer. Oh non, je ne pense pas que tu puisses tuer, pas forcément. Ça c'est une autre partie, de jouer là direct. Peut-être que ça va pas tuer, il y a de la G dans le coin un peu et tout. Mais en tout cas, ça met la pression et tu utilises à bon escient ta force, on va dire. Crever la forme, ok. Bah, bon repos à toi. Bon repos. Bah, c'est pas en regardant du go, oui, effectivement, que tu vas te reposer. Blanc essaie de sortir à partir de ce moment-là, d'accord. Tac. Et là, noir essaie de bloquer. D'accord. Donc, ici, attention à ce genre de coup, P4. Tu ne vas pas pouvoir enfermer bien. Ici, il faudrait réfléchir. Si je joue ça, quelle serait la réponse naturelle? Qu'est-ce que jouerait mon adversaire? A priori, il aura envie de sortir. Mais dans ce cas, il vient là. Ça semble naturel. Et en fait, tu t'es un peu créé toi-même une forme de kéma déchiré. Tu t'es auto-kéma déchiré un petit peu. Donc là, c'est pas très bon pour noir. Un grand sale breton m'a dit un jour qu'il ne fallait pas attaquer pour tuer, mais pour torturer. Ouais, enfin, ça c'est un peu... Enfin, il a dit bonjour au début, je sais pas si t'es encore là. Mince, il est où? Blue Supernova. Je sais pas si t'es encore là, Matt. Ça, c'est toi qui m'avais appris un petit peu à ne pas tuer, mais à torturer. Là, il vaut mieux faire courir, ouais. Mais là, le problème, c'est que tu fais courir et... Quand l'adversaire vient ici, il faut identifier que là, tu as joué assez large. Donc tu as un groupe de cette pierre, une pierre isolée ici, et ces deux-là, elles peuvent se faire couper. Donc attention, tu n'es vraiment pas solide. Et l'adversaire est assez solide finalement en nobile. Donc attention. Félicitations, super gentil. Tiens, on dirait moi, quand je te disais de chasser l'adversaire pour construire et de ne pas chercher à tuer. J'avais accro, il se prend toujours des tacles. Donc là, ici, qu'est-ce que tu pourrais faire plutôt à la place de noir? Enfin, noir, qu'est-ce qu'il pourrait faire à la place? Le problème, c'est que s'il continue comme ça, on a quand même l'impression que blanc va venir s'emparer de tout le coup. Donc noir fait un beau mur, mais finalement, son extension est très proche, trop proche, on aimerait dire, un peu comme celle-ci. Donc c'est pas la bonne direction. Ici, tu le pousses. En fait, souvent, on dit de pousser vers nos forces. Mais là, tu pousses vers un endroit où tu n'es pas si fort que ça. Donc attention. Si tu veux pousser l'adversaire, peut-être que tu peux pousser comme ça. Et là, tu commences à développer le coin un petit peu. Certes, ton adversaire va fuir, mais ensuite, tu peux revenir là et dire, est-ce que tu as vraiment assez de place pour faire deux yeux ici? Peut-être, ah oui, mais en tout cas, du coup, il perdrait
la Jill dans le coin, et après il peut revenir comme ça, essayer de vivre, mais c'est vraiment tout petit, noir construit pas mal, des deux côtés. Donc c'est pas très agréable. Donc plutôt attaquer de ce côté, forcer l'adversaire à répondre, parce que là maintenant, effectivement, si blanc s'amuse à jouer ailleurs, le coup que tu as joué enferme complètement. Donc plutôt induire le coup suivant un blanc, et toi, consolider ta propre position. Il faut pas se dire je vais complètement enfermer ou tuer si c'est pas possible. Il faut plutôt se dire comment est-ce que je peux mettre à profit l'attaque de ces pierres. Oui, un grand sage, Ch'ti, m'a dit un jour qu'il fallait que j'arrête d'être trop gentil avec l'adversaire. Tac, tac, tac. Donc dans la partie, on va revenir un peu. Tac, tac, ça vient ici. Blanc joue d'abord la connexion solide et noir enferme. J'aime bien le coup de protéger ta forme finalement pour noir. Parce que si tu descends ici pour protéger ton coin, blanc va déchirer ta position et c'est assez compliqué finalement. Alors que là, tu finis ton mur et blanc doit toujours revenir pour vivre. Et ensuite tu as le CNT, tu peux jouer ailleurs, t'as pas l'air en danger plus que ça, d'un côté comme de l'autre. Pour rattraper la séquence, c'est pas mal. D'ailleurs, blanc, tu n'as pas besoin forcément de venir en R5, tu peux venir là, parce que noir ne peut pas couper. Si noir vient au milieu, tu fais Atari, noir protège, et tu peux connecter. Et ensuite, noir ne peut pas couper ici, parce que les points de coupe ne marchent pas. Donc attention à ça. Et surtout ici, noir se crée des faiblesses. Donc ici, les trois pierres blanches sont déjà connectées, donc ça va, c'est ok. Tu peux plutôt sortir ici, ce qui va faire mal à la forme de noir. Effectivement, j'ai trop voulu enfermer. Ouais, ouais. En fait, il vaut mieux... Là, tu veux enfermer, on peut comprendre l'idée, mais... Quand blanc s'installe, dans ce cas-là, la logique du coup que je disais tout à l'heure, c'était ok, là il essaie de s'installer, si tu veux... Si tu veux l'enfermer, bah, effectivement il faut essayer, mais en fait, ça, bah, il peut sortir ici, et t'es pas très solide dans le coin, et ça, il peut sortir ici. Donc a priori, aucun des deux ne marche, tu ne peux pas enfermer l'adversaire. Si tu peux pas l'enfermer, autant le faire courir, et du coup, autant ôter la base de vie. Et là, blanc n'a plus qu'une seule direction, dont on parlait tout à l'heure, et quand il n'y a plus qu'une seule direction, c'est un groupe faible. Donc, il va sortir, et tu vas juste pouvoir profiter... avoir pas mal de coups de profit, et lui, il va pas faire beaucoup de points. Et tu peux peut-être même laisser tel quel, hein, et revenir plus tard, ou pas, selon ton envie. Donc, ensuite, blanc vient protéger ici. Ah oui, non, blanc vient là, ok. Ici, blanc, il peut, à la place de venir ici, comme je disais, on dit coin bord centre. C'est dans le coin que tu vas trouver ta ville plus facilement. Si blanc joue en S4, et que noir joue le coup que tu as joué blanc, blanc est vraiment très content de revenir comme ça, et de prendre tout le coin. C'est quand même très agréable. Là, blanc est 100% vivant, et si noir continue, ben, ouais, il y a des points de coupe. Il peut prendre cette pierre, mégoter, et finalement blanc a le coin, et SNT, et peut jouer ailleurs. C'est assez sympa. Alors que, en venant jouer ici, noir, il peut quand même se dire, d'accord, si je réponds là, blanc, il peut revenir ici, et finalement, j'enferme, mais un truc qui est totalement vivant et qui fait même quelques points. Alors que là, comme montre l'IA d'ailleurs, de OGS, si tu descends ici, certes, blanc pourra faire Atari et sortir, effectivement, hein, mais il faudra toujours surveiller la vie quand même. Après, oui, ça va vivre, mais il y a une petite pression. Est-ce que tu as envie de rajouter un coup maintenant ? Ou pas. Et noir, en plus, il récupère quand même pas mal de points qui auraient pu disparaître. Donc c'est sympa. Je préfère dire noir et blanc que vos pseudos, comme ça va plus vite, hein, désolé. Et je vérifie s'il n'y a pas eu de questions. Non, ça a l'air d'aller. Alors, moi de mon côté, j'ai trop peur de ne pas réussir à vivre, donc je me suis recroquevillé. Voilà, il faut retenir que, ouais, à la place du Q7, justement, va chercher la vie dans le coin. C'est assez rapidement, tu vois que ton adversaire n'a pas répondu à ton R5, donc tu peux en profiter. Sa pierre en R4 a perdu une liberté, on l'a pas aidé, donc on peut y foncer.
Un grand sage Steam a dit un jour que pour vivre, il fallait étendre la taille de son groupe. Ouais, voilà, c'est ça. Là, ça étend la base vitale du groupe. Là, il commence à y avoir largement assez de place pour vivre. Noir protège. Attention, ici, il y a toujours Atari. Puis, peut-être coupe. Ça peut être embêtant. Donc, ici, autant jouer comme ça. Et voilà, là, tu fermes. C'est un petit peu plus propre, on va dire. Là, les deux pierres en Kosumi sont connectées parce que si blanc joue là, noir joue là. Et si blanc joue là, noir joue là. Donc elles sont virtuellement connectées. Il y a une coupe ici, certes, mais elle est beaucoup moins impactante que tout à l'heure. Et ensuite, blanc prolonge ici, d'accord, il vient prendre sa vie. Sachant que tu peux également prolonger comme ça. Ce qui est un peu plus rapide parce que tu menaces d'aller jusqu'à S12 notamment. Et de glisser sous son territoire. Ici en faisant ça, noir il peut bloquer en soi. Ou il peut juste avancer. Et finalement il développe un peu son territoire. Mince pas. Tac. Ici noir il ferme un peu mieux que si on jouait directement comme ça. Noir, il sait pas trop comment fermer, du coup il va peut-être faire ça, et finalement t'es pas à son contact, donc tu l'as pas trop renforcé, et toi t'es quand même vivant, tu reviens là, t'es bien vivant, tu peux je sais même pas si t'as besoin de rajouter ce coup, c'est assez gros, mais est-ce que tu peux vivre sans et prendre le santé, ça peut être intéressant aussi, et finalement noir a un mur, mais il est très haut son mur, du coup il y aura pas tellement de points ici, ça va être dur, ça va être très dur. Je commente un peu tout ce qui me passe par la tête, hein. N'hésitez pas si je vais trop loin dans les explications. Le concept de santé, c'est très compliqué. Ouais. Le plus difficile quand on débute, et même plus tard, c'est de prendre la vue globale du Goban et ne pas jouer trop localement. Ouais, c'est super dur. Hein. Le Goban il est très grand en fait, c'est sûr. Là, il faut toujours regarder à l'œil que le bord gauche est complètement libre encore. Donc pour blanc, c'est hyper intéressant pour faire une extension à ces deux positions de coin. Et pour noir, c'est intéressant pour justement empêcher ce développement très rapide de blanc qui est inquiétant. Alors, ça va être mon problème en fin de partie, le centre. Belle force sur le centre pour noir. Ouais, mais pas suffisante, je pense. Après, bien sûr, là, en prenant en compte que ça meurt, bon, c'est différent aussi. Alors, noir revient là. Et blanc protège ici. Tu as cru être en Atari ici? Parce que ben, ce n'est pas le cas. Il faudrait qu'il y ait une pierre noire en Q6 par exemple pour que tu sois en Atari. Là tu te retires à un point en quelque sorte. Imaginons noir il joue. Certes ça met ta pierre en Atari ici, mais tu peux capturer directement. Et s'il joue là, tu captures. Donc il n'y a pas besoin. Non, pas en Atari, mais je ne sais plus ce que j'ai pensé. T'inquiète, c'est la pression. Salut Chris, ça va? C'est la pression. Donc là, ouais, au lieu de faire ça, si tu veux rajouter... si tu as un peu peur là, tu te retires même une possibilité d'œil un peu. Donc encore une fois, revenir ici, tu t'installes, et tu peux jouer ailleurs, je pense. C'est plutôt agréable. Avec Brace-toi, le plus compliqué, c'est qu'on sait jamais lequel de ces groupes tu es. T'es juste venu pour me clasher, en fait, Supernova. Ça dépend si un chichou ou pas, en fait. Pourquoi choisir tu les tous? Ah ça, il a mis un... Quand il m'apprenait le go, il mettait 9 pierres et il me tuait tout. Aïe. Il a toujours aimé... Lui, il a bien torturé, mais il a bien tué aussi, en fait, il fait les deux. Pourquoi se priver? Ensuite, dans la partie, je vais peut-être essayer un tout petit peu plus vite. Donc noir vient ici, ça s'installe, pourquoi pas. Et là, noir protège. Ok. Donc si tu veux protéger ici, si jamais l'optique c'est vraiment de protéger et d'aller vers le centre, tu peux soit faire le contact, tout simplement. Comme ça, ça oblige l'adversaire un petit peu à répondre, il n'aurait pas envie que tu viennes toi-même en E15. Imaginons comme ça. Tu peux écraser un peu la forme de l'adversaire, c'est pas agréable, et sauter. Et tu joues léger vers le centre qui t'intéresse. Ou alors tu peux tout simplement jouer un Kéba. Ce qu'il y a, c'est que là, avec ton D13, on a l'impression que c'est un peu D2. Et c'est très timide, c'est un peu lent en fait.
ça agrandit pas plus que ça ton espace, ça joue pas plus que ça avec le centre. Finalement, on a l'impression que c'est blanc qui va reprendre l'avantage vers le centre, et tes pierres vont pas pouvoir jouer ensemble. Ou si tu veux vivre là et pas trop jouer le centre là, pas trop toucher, tu peux également essayer de glisser pour prendre le maximum de place possible. Tout de suite. C'est une possibilité aussi. Tac, tac, tac. N'hésitez pas à dire hein, d'ailleurs Supernova si j'ai des bêtises à certains moments ou si je loupe des trucs. D'ailleurs les autres aussi, hein, y a plein qui sont forts dans le stream. J'ai très mal joué cette séquence. Bon, on va voir la suite. On va voir la suite. Presto, il était le croc de Blue. Pourquoi est-ce que tu utilises l'imparfait? Tac. Donc, tu joues là. Et Blanc joue ici. Ok. Donc, il pousse dans le Kosumi. Le problème, c'est qu'ici, Blanc peut, Noir peut décider de revenir comme ça. Et finalement, refait un espace vital assez sympathique, parce que blanc va protéger, et noir remonte par exemple. Et là, noir a fait un petit peu d'espace vital et commence à jouer vers le centre. Donc finalement, c'est plutôt ok. À ce moment-là, blanc, pour mettre de la pression, à la place de jouer D14, ça va être encore à peu près la même idée que le cours en P7 tout à l'heure qui essaie de recouvrir. Autant descendre. Comme tout à l'heure, il fallait plutôt descendre. Et ça restreint l'espace vital. Pour l'instant, on a une forme assez petite. Est-ce que ça vit avec deux yeux? C'est assez dur à dire. Et en plus, ça protège pas mal le coin. Parce que maintenant, au maximum, noir peut faire ça. Blanc défendrait. Il y a une gueule de tigre. Et noir, il pourrait perdre sa pierre en deux. Donc s'il protège, ben, blanc, il est sûr à 100% d'avoir le coin. Et il peut venir mettre la pression à noir. Je vais juste hop, retirer ça. Tac, voilà. Donc là, attention à ça, on pourrait se retrouver serré très rapidement. Donc plutôt C15 que D14. Comme tout à l'heure, plutôt c'était plutôt le R9 que le P7, dans la même idée. Donc là, un partout sur cette erreur-là, on va dire. Qu'est-ce qu'on essaie? Ah non, 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 non. Tac. Donc ça pousse là, et noir justement prend l'espace. Et saute. D'accord. Attention avec ce saut maintenant. Tout à l'heure, j'avais montré ce saut en Kema, mais maintenant, c'est un peu plus périlleux. Pourquoi? On pourrait identifier les groupes. Il y a un groupe avec noir, un deuxième, parce que c'est pas entièrement connecté, hein, y a une coupe, un troisième, et un quatrième. Donc c'est ça, il faut identifier ça. Mince, j'ai beaucoup de pierres séparées. C'est que ça ne doit pas être très frais. Et effectivement, dès que blanc joue ici, il retire une liberté à cette pierre. Noir, ça serait naturel de vouloir connecter. Effectivement, s'il recule, bah finalement, il peut se faire couper. Donc on ne comprend pas très bien l'idée de F12. Donc, s'il joue naturellement ça, s'il a la suite dans ces idées-là, le problème, c'est que Atari, et grâce à cet Atari sur cette pierre, on a retiré une liberté à ces deux-là. Et ensuite, tu peux revenir ici. Tu peux descendre car les deux pierres blanches ont 1, 2, 3, 4 libertés contre les pierres noires, 1, 2. Et finalement, cette forme-là noire a perdu sa base de vie. Et c'est un peu dommage, elle a perdu de son intérêt. Bien sûr, ça pourra jouer avec l'influence, mais maintenant tu paries tout sur l'influence quasiment. Donc il faudra vraiment faire attention à ça, ça donne beaucoup de points à blanc. Et l'influence, c'est assez dur à jouer. Alors, GoDD a récupéré Rengo. Dit qu'à le Rengo, c'est hors de prix, on va lancer une manif. Bon, ça, j'avais mis au début, et faudra voir, parce que finalement, on en fait comme ça des Rengo, on fait comme ça des commentaires, donc bon, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose les points de chaîne ici? Faudra trouver une autre utilité, vous aurez qu'à me donner des suggestions. C'est exactement la séquence. Effectivement, sauf que ça prend directement. Donc là, la petite différence, c'est quand ça joue B14, plus tard, noir pourra venir ici. Et blanc peut pas venir là, sinon c'est capture. Donc blanc capture, et noir peut revenir là. Ce sera un coup intéressant plus tard, pour l'instant ça sert pas forcément à grand chose, mais voilà. Un cours d'une heure. De quoi un cours d'une heure?
Le son du pâté à neuf que je t'ai filé pour 2K. Oui, j'ai pas mis de son particulier, ouais. C'est assez chiant à programmer en plus. Bref, vous dites des bêtises. Alors, dans la partie, du coup, ça s'est joué comme ça. Et noir fait atterrir ici. Ok. Noir fait atterrir ici pour s'emparer de la pierre en E13, du coup. Mais cette pierre, est-ce qu'elle a une grande utilité? Blanc a l'air de dire que oui. Le problème, c'est que... tac, tac, tac. Si noir fait atterrir comme ça, il y a atterri sur ces deux pierres-là. On met à profit le plus possible les deux pierres qui sont décédées là. Et quand blanc protège, ou capture, bien sûr, on va dire qu'il protège ici, noir peut revenir là. Et ici, qu'est-ce qui se passe? Il y a un chichot, un escalier. Donc, quand noir fait atterrir ici, on ne peut pas sauver cette pierre. Théoriquement, on peut, hein. Si blanc d'un seul coup décide de faire ça. Mais bon, c'est assez catastrophique du coup de concéder ces deux-là. Et ces trois pierres ne servent pas à grand-chose et font face à pas mal de pierres noires. Donc ce sera assez mauvais. Donc attention à ça, ouais. Alors, oh, je l'avais pas vu celui-là. Tac, tac. Ça veut dire que ce soir, Rengo. Je sais pas, on verra. On verra, on verra. Je pensais peut-être faire une partie après, parce que c'est le jeudi, là, Rengo. Ça fait qu'il peut pas jouer sa partie solo, il va devoir lancer une Rengo parce que le peuple a décidé ainsi. Ah d'accord, bon bah on va faire Rengo hein, si le peuple a décidé. Démocratie. Alors là c'était le combat pour pas avoir l'escalier. Ouais un peu. pour moi j'étais déçu de mon Atari, car je croyais que le chichot marchait pas juste à cause des pierres mortes. Ah ouais, ok. En fait ici, à la place de blanc du coup, autant faire ça par exemple. Tu pousses de ce côté, noir va répondre, hein, il a joué sa pierre en E14 donc il y tient. Et toi, bon voilà, t'es assez solide ici. Bon, t'es même très solide ici. Et ensuite, tu prends un temps de pause parce que c'est la fin de la séquence. Tu regardes si t'as des groupes instables ou pas. Bon, en l'occurrence, il y a ça, mais on va dire qu'on laisse de côté parce que vous n'aviez pas vu tous les deux. On va prendre sur l'est. Ça, ça a l'air de vivre, peut-être rajouter un coup ici. Et sinon, qu'est-ce que c'est la situation globalement? C'est blanc a pas mal de points en territoire et noir a. En fait, des points en influence au potentiel. Donc, il faut réfléchir à comment est-ce que je réduis ce potentiel. On voit, il y a une porte d'entrée ici. Il y a une grande porte d'entrée ici, donc vers là ou vers là. Et il y a peut-être une porte d'entrée par là. Si on joue là, il faut regarder qu'est-ce qui se passe si noir coupe. Atari. Ça descend. On descend. Mais Atari, tac, et noir peut revenir capturer. Mince, du coup on aurait deux pierres un peu perdues dedans. Après, est-ce que c'est si grave? C'est assez dur à dire. On peut essayer de jouer dedans et de jouer une séquence comme ça. Mais c'est assez compliqué à jouer, donc on va pas trop rentrer dans ces détails-là. Mais a priori, de ce côté, on aurait du mal à rentrer. Donc, pour rentrer, il faudrait aller par là ou par là. Et du coup, il faut essayer de grignoter un peu de tous les côtés. Alors, le jeudi, je suis pas toujours dispo, donc ça me dit bien Rengo là. Bon, on va faire ça, alors. On va faire ça. Je sais pas qui a demandé en premier, donc c'est GoDédé, Chris et toi, Cro, je sais pas. N'hésitez pas à dire. Ouais, beau centre. Donc là, maintenant, il faut réduire. En vrai, même une pierre... c'est ça, en fait. Au début, je vous disais jouer un peu plus de coups en quatrième ligne. Essayez d'alterner, par exemple. Parce que là, c'est beaucoup de coups en troisième ligne. Essayez d'alterner, parce que maintenant, quand blanc a envie de... Par exemple, tu joues au milieu... C'est super dur pour noir hein, de dire non, tu sors pas. Si on fait ça, ben, ça va par là et ça commence à sortir, mince. Et si on va par là, blanc va par là et mince, on peut pas vraiment l'enfermer, c'est assez compliqué. Donc, c'est assez chiant. Mais en plus, si blanc avait sa pierre ici en quatrième ligne ou sa pierre ici en quatrième ligne, il y aurait une proximité qui fait que blanc peut aller plus loin sans avoir peur de ne pas trouver d'allié. On est un peu plus proche, on vient aider direct. D'ailleurs, pour s'installer, à tout moment, justement, là, c'est cet Atari intéressant, parce qu'on a une pierre ici, donc à tout moment, on pourra jouer un coup par ici, qui menace de connecter nos pierres. Si noir joue ailleurs, on connecte, et finalement, ces deux pierres-là sont très abîmées. Noir pourrait capturer, et cette pierre pourra toujours nous aider pour menacer de la connecter.
Si Noir refuse, bon bah, au moins ça nous a aidé à rentrer, on a gagné un coup. Donc ça, ça s'appelle une pierre d'Adji. C'est l'Adji, c'est l'arrière-goût. C'est une pierre qui a priori est morte et va mourir, hein. Mais autant ne pas trop y toucher parce que bah, elle pourra toujours servir. Un peu comme ces deux pierres avec la séquence que j'ai montrée avec B13. Bref, je parle, je lis un peu vos commentaires. Tac, tac, tac. C'est bien la voix du peuple. Alors, je m'en aperçois bien plus tard que son centre est énorme, et c'est déjà trop tard. Ouais, c'est vrai qu'il est énorme. T'as joué très, voire trop, on peut dire, territorial. Ouais. C'est clair. Moi, oublie, je me lève à 4h, je suis déjà en mode sommeil, là. Ah, ok. Bah, bonne nuit, alors. Bonne nuit, si tu sors devant le stream. Mais c'est pas toi qui as mis le... l'alerte, là, pour le Rengu? Ah non, c'est peut-être Chris. Bref. Yes, je veux jouer, j'ai pas pu la dernière fois. Ouais, ça roule. Ça roule, ça roule. Et Mickey dit, ouais, j'avais très peur de ça finalement, heureusement qu'il n'a pas joué. Ouais, il y a moyen de réduire. Il y a moyen de réduire ce centre. C'est très dur de jouer influence maintenant. Dans la partie, on va y revenir. Donc, Blanc sort ici, oui, parce qu'on est sur cette séquence. Hein. Et du coup, ils n'ont pas vu le Chicho. Ça joue comme ça. Du coup, ça récupère la pierre, c'est plutôt cool. Et ça capture. Effectivement, parce que si... si ça ne répond pas à ce coup, imaginons ça joue là. Hein. Atari. Et est-ce qu'il y a moyen de faire quelque chose? Non, ça a l'air d'aller. Ok. Ça a l'air d'aller. Il y a ce genre de coups qui sont un peu chiants, mais ça va en fait. Non, non, en fait ça pouvait Tenuki. Ça peut Tenuki ce coup-là. Pas besoin de capturer. J'ai cru que ça allait poser problème au niveau des libertés, mais non. Tac, 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 tac. Blanc. Et blanc. Deux libertés contre une. Donc ça passe. Donc ici, la capture, c'est un coup trop lent. Noir vient de fermer une des deux entrées. Il n'y en a plus qu'une. Donc maintenant, il faut absolument venir par là et tenter de réduire. Quoi. Ça devient urgent. Car si Noir ferme ici et prend tout le centre, bah, c'est fini, effectivement. On peut imaginer, maintenant que ça a joué là, je sais pas. Noir joue un coup par ici. C'est assez dur de trouver le bon coup, mais j'imagine un truc du genre, déjà, c'est déjà très bien. C'est énorme tout ce qu'il y a ici. Je l'ai offert à Chris. Ah, ok. Magnanime. Bah là, pour rentrer, quand même, ça devient gros chez Noir. Ouais, ça devient urgent. Là, la capture en E15, c'est un peu... c'est un peu dommage, parce que c'est une pierre seulement. Donc perdre le santé sur ça, ça fait quand même mal. Shadowin, il va avoir le centre. Noir, pas blanc. Ah là, oui, à pro, oui, il va avoir le centre, effectivement. J'ai eu peur qu'il me capture, donc je l'ai capturé, oui. Ouais. Après, voilà, c'est normal hein, d'avoir peur. Le tout est, bah, comme on fait là, de, comme je vous ai dit sur le Discord, de faire revoir vos parties par des joueurs plus expérimentés, même quelques Q de plus ou tout, qui reconnaîtront certaines erreurs qu'ils faisaient avant, qu'ils font plus maintenant, voilà, notamment celle-ci par exemple, hein, j'imagine, ou tout du moins de vous revoir vous-même, par exemple le lendemain, vos propres parties, ça c'est très important pour progresser en fait. Très important. Donc ouais, c'est ça qui sert en fait le Discord, hein, plus qu'autre chose, c'est s'il y en a qui veulent faire revoir leur partie, s'il y en a qui sont dispo, et voilà quoi. J'ai joué par ici, donc je pense, hein, ça doit être assez intuitif de jouer par là. Dans le doute, il vaut mieux rajouter un coup que mourir. Oui, certes. Certes. C'est pour ça que là, c'est pas une grosse erreur. C'est dommage, mais c'est pas une grosse erreur. Mais c'est en fait, en faisant plusieurs fois cette petite erreur, petit à petit, tu vas dire, attends, là, dans ce genre de situation, je me souviens, attends, s'il sort, tac, tac, ok. Et essayer, petit à petit, ta lecture va s'affiner. Et tu vas voir qu'en fait, non, t'as plus de liberté que l'adversaire. Parce qu'effectivement, là, comme on disait, il faut calculer, noir sort, tac. Ah, il y a trois... bah, là, je fais Atari, tac, mais en fait, j'ai toujours que deux libertés. Et blanc en a 3. Et c'est pour ça que, et ça c'est pas que votre niveau, hein, c'est tous les niveaux, on dit très souvent que les joueurs de Go ne savent pas compter jusqu'à 2. Parce que là finalement, on va dire, ça m'arrive tout le temps dans mes parties, 1, hein, 2, voilà, il faut calculer ça dans sa tête, et ensuite faire l'état des lieux. Et finalement, bah, c'est pas suffisant parce que 1 de liberté contre 1 de 3.
Et ça, à tout niveau, comme je dis, les joueurs ne prennent pas forcément le temps de le faire. Par manque de temps, par manque de volonté, par manque de vigilance, etc. Bah oui, j'ai eu très envie de sauter dedans, mais je ne suis pas allé franco en plein dedans, donc j'ai pas réussi à grignoter comme je voulais. Bah surtout là, si Noir a le Sente, c'est plus compliqué, c'est sûr. De toute manière, là, c'est pas de ta faute à partir de maintenant. Quoique, Noir joue ici. Et du coup, il reste une entrée assez large. Enfin, large. On peut peut-être aller par là. Si Noir essaie d'enfermer, tu joues large et t'essaies de faire un truc. Ça, c'est compliqué. Hein. C'est très compliqué. Ou peut-être comme ça. Pour être sûr de ne pas se faire enfermer. Peut-être un coup comme ça, ouais. Ça a l'air sympa. Parce que là, il n'y a pas vraiment de bonne façon pour Noir d'empêcher de rentrer. J'imagine qu'il va bloquer plus loin, tout simplement. Et en même temps, je comprends un peu, parce qu'il y a toujours ce... il y a toujours ce genre de problème plus tard. Si Blanc vient en G12, que Noir coupe, Blanc peut aller là, et dire, regarde, tes 4 pierres là sont en danger. Donc il reste toujours une faiblesse, donc je comprends un peu la proximité ici. Mais dans ce cas-là, essayer de fermer un peu plus, donc venir... je sais pas... Par ici par exemple, comme ça, si Blanc vient là, que ça coupe, ça vient là, bah finalement là les pierres blanches vont se taper directement à ça. Donc ça a l'air ok. Ça a l'air plutôt ok pour Noir. Et finalement c'est Blanc qui va devoir essayer de vivre à l'intérieur de ça, et s'il rate. Donc dans la partie, donc ça c'était assez dangereux, ouais. Jouer un coup un peu plus large, peut-être. Je sais plus ce que je disais, quel était mon propos. Et Blanc vient par là. Du coup, Blanc, quel était l'objectif de ce coup? Quel était, si tu te souviens, quel était le fond de ta pensée quand elle a joué ça? Ok, d'accord, ouais, je suis affilié, c'est pour ça. Mais d'ailleurs, il y a des nouvelles pubs aussi. Maintenant, vous avez des trucs qui... normalement, avant, il y avait tous les pubs. Avant, c'était ça vous coupe le stream. Et pendant 30 secondes ou 1 minute ou 1 minute 30, voilà. Vous pouvez plus du tout suivre le stream et vous avez une pub avec du son, tout ça, une vidéo. Et maintenant, il y a d'autres pubs aussi où ça apparaît au-dessous. Ça se cale et vous avez toujours le stream. Ça se met un petit peu en réduit et vous avez au-dessous sur les côtés. C'est assez chiant. Et tout pour le bif. Alors, je crois que je voulais isoler les pierres noires de sa pierre. Mais là, ouais, encore une fois, déjà, un noir va répondre. Donc là, ça, il faut essayer de faire l'effort. Ok, j'ai envie de jouer ce coup, mais à la place de l'adversaire, si je joue, qu'est-ce que je répondrai? Et du coup, ça, imaginons, dans ton idée de couper, bah, noir revient et finalement, il connecte ses pierres. Et ta pierre finalement est abîmée et ça n'a pas apporté grand chose. Et aussi, deuxième chose, il faut se dire est-ce que c'est la zone importante ici? Après, oui, il est en train de se développer tout ça. La zone importante, encore une fois, c'est de venir par là pour essayer de rentrer. Une zone par ici, entre les deux pierres en fait. Parce que la ligne d'entrée est clairement ici. Donc il faut jouer par là pour essayer d'entrer. Quoi. Hop. Tac. Et aussi, Noir, je pense qu'il peut tout simplement Tenuki. Imaginons maintenant Noir joue par ici, pour essayer de fermer encore plus. Si tu tentes de couper, ça a l'air assez compliqué en fait. Parce que au maximum, je pense que tu vas obtenir, si tu fais ça, Atari, tac, Noir revient là. Et certes, tu vas pouvoir prendre cette pierre. Mais tu vas te faire un peu de points, mais finalement Noir il ferme complètement son centre. Et ici cette pierre peut pas être sauvée. Donc attention, c'est peut-être pas la formation la plus. La séquence la plus optimale, mais voilà. En gros, tu peux pas couper ces pierres, quoi. Vraiment. Tu peux pas couper pendant sa formation. Alors, c'est le Kiki de tous les Kiki. Master Kiki. Salut Kiki. Ça fait, j'ai jamais dit autant de ma vie à Kiki, mais. Désolé, réflexe. Je pensais réussir à m'aider du coup en G12. Ah d'accord. Donc G12 maintenant. Et si ça coupe, jouer par ici, par exemple.
Encore une fois, un peu comme la séquence en haut où il y avait le chichot, c'est une fois taille, l'adversaire répond, et ensuite tu recules. Et là, du coup, ça attaque cette pierre, comme tout à l'heure ça avait attaqué ces deux pierres, le recul ça faisait atari. Blanc va revenir, hein, pour protéger cette pierre par exemple, et chichou, l'escalier. Donc ça marche pas. Mais si tu sauves ces pierres, Geta sur, sur celle-ci. Donc ça marche pas. Donc ouais, ça marche pas très bien ça. Toc toc toc. Le Master Kiki, c'est ce qu'on utilise pour faire tous les autres Kiki. Alors. Désolé, le commentaire un peu décousu. C'est les lives. Tac, tac. Non, c'est pas la séquence. On va retrouver la séquence de la partie. Alors. Noir, réponds ça. Ah d'accord, il avait répondu ça. Tu descends. Et il est ici. Ok. Attention. Blanc peut peut-être essayer de connecter par-dessous ici. Oui, ça va être compliqué, mais il peut venir chercher. Peut-être en descendant plutôt. Ça a l'air pas mal. Et là maintenant, si noir joue ailleurs, blanc pourra revenir ici et connecter par-dessous, ce qui fait quelques points, n'empêche. Ça fait quelques points. Donc ce coup-là n'est pas forcément incroyable. Si tu veux empêcher blanc de se développer ici, descends plutôt comme ça. Après, encore une fois, comme disait Crow tout à l'heure, il faut toujours se détacher. Ce n'est pas parce que l'adversaire joue par ici qu'il faut jouer par ici forcément. Là, quand blanc descend, effectivement, ça a l'air intéressant pour le bord gauche. Mais encore une fois, c'est la deuxième ligne. C'est assez peu conséquent. Donc, il ne faut pas perdre de vue que le Goban est grand. Qu'est-ce qui se passe sur le Goban? C'est la menace de prendre tout le centre. Encore une fois, revenir par ici, ça semble très puissant pour dire « Ok, fais tes 2-3 points et encore, il faut que tu rajoutes une pierre, c'est pas encore fait. » Et moi je me fais tout ça. Si tu t'amuses à revenir par ici pour faire tes points de ce côté, ben je viens là et maintenant bonne chance pour venir dans me contester ce centre quoi. Trop bien le commentaire. Ah bon, de rien, merci. Merci à toi. En fait tout le monde, l'image mon pseudo, c'est Master plus Rikiki. Ah, il y a deux R. Ah pardon, oui effectivement, Master Rikiki. Mais tout le monde dit Master Kiki. Alors après, tu cherches un peu. Vous pouvez mettre un espace, je pense. Non? Je sais pas. Ah non, peut-être pas. Mais des majuscules? Le Kiki et Rikiki. Croc qui débarque. Voilà, voilà. On revient dans la partie. Blanc connect. Donc voilà. En fait, là, la petite erreur qu'on pourrait noter ici, c'est que vous suivez trop l'adversaire. Là, il faut se détacher et se dire, est-ce que j'ai vraiment besoin de répondre à ce coup? Et en fait, de quelques centés comme ça, quelques coups, vous prendrez l'initiative, ça peut vraiment, littéralement, changer la partie, quoi. Au début de partie, on voyait avec les grands coups du Fuseki, donc du début de partie, mais c'est toujours vrai en cours de partie, où on peut ignorer à certains moments et gagner un échange plus important. Par exemple, ici, si on continue là, bah, finalement, blanc peut dire bah, « je vais rentrer », alors que si, à la place de jouer ce coup, on joue par là, bon, on commence à bien fermer quand même. Donc c'est assez intéressant. Et ici, on peut pas, il ne peut pas vraiment capturer les pierres. S'il fait Atari, on protège. Fin de l'histoire. Donc c'est pas très problématique ici. Et effectivement, noir a joué ça. Blanc recule. Noir continue. Et attention, parce que ça ferme ici, mais il y a encore l'ouverture là. Là, encore une fois, noir, il devrait venir, imaginons par ici. Commencer à fermer, enfin commencer. Finir de fermer son territoire. Alors, la nature, c'est bon, je les ai perdus. Ouais. Non, mais en fait, mon plus gros problème a été de ne pas rentrer dans le centre. Ouais, voilà, c'est ça. Mais c'est à chaque fois ça, en fait. C'est de suivre l'adversaire. Bon, voilà, c'est relié, en fait. C'est relié, c'est relié. Là, je vois que la partie, on est au tiers. Donc, j'imagine qu'après, ça ferme les territoires des deux côtés. On va aller un peu plus vite. Ici, du coup, ça joue le territoire. Ok. Là, on pense voir le problème. D'ailleurs, ici, regarde. Ça c'est une autre notion, c'est la notion du sacrifice. Est-ce que ta pierre en H17 est si importante? C'est gros, mais est-ce que c'est si important? Tu peux t'en servir, parce que, ok, il te met en Atari, mais lui-même a une pierre qui est faible, c'est H16. Si tu fais Atari de ce côté, certes, il peut te capturer, H15, pardon, certes, il peut te capturer, mais tu peux rentrer,
Et là, tu rentres dans son centre, en fait. Un petit peu, en tout cas. Tu peux réduire. Donc là, le H18 de noir, du coup, ton H18, c'est pas aux allants de Mickey, est un peu trop gourmand. Ici, tu n'as pas besoin de ça, en fait. À la place de ça, autant protéger. Et tu te gardes H18 pour plus tard. Et si blanc y revient, bah cool, il a répondu et tu peux jouer par là. Ce qui est plutôt sympathique. C'est quoi ce Mario de mutant? Ok, c'est un seul Mario qui fait 6 mains. Ouais, non, ce Mario est incroyable. Tac, tac, tac. Donc là, ça pouvait rentrer. Noir, fais gaffe à ça. Tu donnes la pierre. Et là, je pense qu'on va survoler. Hein. Ah, blanc essaye de rentrer. C'est un petit peu tard, effectivement. C'est un poil tard. Donc ça protège. Encore une fois, attention. J'imagine que blanc répond et noir peut reculer. Noir peut reculer comme ça déjà, pour essayer de fermer. Mais surtout, encore une fois, blanc peut faire cette attaque. Exactement la même chose qu'au-dessus. Tac, tac. Tu peux essayer de rentrer encore. Tu peux sacrifier des pierres en fait, c'est pas un problème. Si c'est pour une meilleure cause. Alors, noir il tue quand le coin en haut à droite. Oui, oui, ouais, ça, oui, ça, c'était au coup 10 de la partie, donc on a laissé de côté. Mais on a déjà expliqué, t'inquiète, ouais. Godédé. Alors, c'est le symptôme du corbeau. J'ai pas besoin de lire le reste normalement. Je vais dodo bientôt. Bonne nuit du coup Abdallah si jamais tu parles pas trop après. Donc tu fais ton nid tranquille et tu fais gaffe à la chouette qui fait un... Oh, bref. N'importe quoi. Il y a les oeufs qui fourrent leurs oeufs dans les nids des autres aussi. Je sais qui c'est. Alors, message plus important, Mickey. Ok, ouais, même moi j'avais pas vu l'infiltration par en bas. Je me suis dit que je pouvais l'arrêter. Ouais. Fais attention à tout ça, hein, tous les pierres sont pas si importantes. Ici, tu peux par exemple faire plus ça, noir. Si ça vient par là et que ça coupe, tu peux reculer. Et il n'y a pas grand chose finalement. Tu peux abuser en fait des formes qui sont pas forcément incroyables parce que t'es ultra béton derrière en fait. Il t'arrivera à rien. Donc tu peux couvrir comme une brute comme ça en fait. Du coup dans la partie, ça rentre un peu. Là, blanc il saute. Et il rentre. Non. Ok. Un peu timide là du coup. Si tu sautes, tu ne peux pas te faire couper. Un peu le même principe tout à l'heure que les deux pierres plus la pierre en Toby, en saut, où tu pouvais pas te faire couper par noir. Bah là, noir ne peut pas couper. Parce que si noir vient ici au milieu, blanc fait atari, noir répond, et blanc connecte d'une manière ou d'une autre, par exemple comme ça. Noir ne peut pas couper ici, c'est capturé. Noir ne peut pas couper ici, c'est capturé. Donc toutes ces pierres, même si c'est des pierres en Kusumi, en diagonale, sont virtuellement connectées. Donc ça va. T'as le droit de jouer un peu plus loin en Toby plutôt qu'en Dobby. Le live est bien aimé ce soir. Ouais, ça fait plaisir. Même si ça dit bêtise, mais ça fait plaisir. C'est grâce à la qualité du chat. C'est ça. Alors. Pour l'information. À la fin, tu essayes. Ouais, c'est un peu tard, je pense. Ouais. J'ai effectivement eu peur de la coupe. Bah, de toute façon, tu feras plusieurs fois l'erreur. Et après, petit à petit, tu verras. En fait, grâce à cette forme qui est très solide, tu peux aller plus loin. Tu peux aller plus loin, effectivement. On va revenir à la partie. Ouh. Donc là, encore comme tout à l'heure. Où blanc pouvait aller en... Quand blanc a été en P5, noir avait été... Tu avais été en P4 noir. Et blanc pouvait aller en O5, qu'il n'a pas fait. Donc c'est une erreur de la part de blanc d'ailleurs. Mais du coup, tu te faisais un auto-kéma déchiré. Et là, blanc, quand il vient ici... C'est auto qui m'a déchiré également. Donc attention à cette forme-là. Ici, tu préfères sauter comme ça. Si blanc pousse, tac. Si blanc coupe, tu reviens là. Et là, ça va. T'as réussi à déchirer, à enfermer la pierre en 4. Alors qu'avec ce coup, si tu vas par là, si tu bloques de ce côté, blanc continue à s'infiltrer. Si tu bloques de ce côté, blanc continue à s'infiltrer. En fait, t'arrives pas à le bloquer. Il y a un problème de forme.
je l'ai fait cette fois-ci. Le Rengo reporté, pourquoi donc? 1h12 d'analyse et on n'est pas à la moitié. Désolé les gars, je suis un bavard. Mais il vaut mieux voir tout, non? S17, oui, et Arendelle. Yes, your English. Yes, the corner can be killed since the beginning. Bah, y a pas de souci, hein. De toute façon, on est là pour ça. On est là pour ça, pour progresser tous ensemble. En quoi, il a plutôt un saut. Mais t'inquiète pas, Crow, là, on va survoler un peu plus. Là, déjà, j'ai fait une partie un peu plus rapide. Donc là, ça rentre un peu, ça rentre au max, ok. Tac, tac, Atari. Je pense que après l'erreur que Noir a faite, il a bien fait de fermer ce, comme ça, le centre. Puisque en bas, de toute manière, il va vivre. Donc c'était une bonne solution, vraiment. C'est une grosse erreur de faire le J8, hein, le Mickey. Mais tu as, après cette erreur, voilà, une fois que c'est là, de toute façon, t'as bien rattrapé, on va dire. P8 was not big emo. P8. Yes, but it's a 20Q game, so never mind. Mais oui, à ce moment-là, effectivement, on pourrait. Bon, déjà, il y a le coin qui peut se tuer, mais on peut jouer ailleurs parce que, effectivement, si blanc capture cette pierre, déjà blanc était vivant des deux côtés, donc il n'y a pas de souci. Et noir protège, et finalement, encore une fois, comme la pierre qu'on pouvait sacrifier là et la pierre qu'on pouvait sacrifier ici, ce n'est qu'une pierre. Donc ça aussi, oui, un truc au go, c'est, après tous ces petits exemples, n'essayez pas de forcément de sauver toutes vos pierres. Certaines vont mourir, c'est pas grave, tant que vous pouvez jouer des séquences qui valent plus à côté. Le goban est grand, encore une fois, donc c'est pas parce que vous perdez une pierre dans une situation que ça va foutre votre partie en l'air, quoi. Pas de soucis, hein, prends le temps qu'il faut. Non, c'est bon, tu me mets la pression. Mais comme blanc est remonté. Parce que blanc gagne la partie. Ah oui, non. Non, blanc gagne pas la partie. Enfin, il remonte un peu à la fin, c'est vrai, oui, il remonte un peu. Très mauvais IEC, je pense. Après, là, c'est dur à tout faire. Ouais, oui, avec le. Encore en sans par S4. Ça veut dire qu'il est pas mort en A droite. Ouais, j'imagine qu'il a eu les couverts J2, les couverts S4, les. Ouais. On va voir ça tout de suite. On va voir ça tout de suite. Alors, je reviens ici. Donc, mince. Blanc avance ici, Atari. Blanc pousse ici. Encore une fois, ici. Encore la même solution, la même option que là et là. Tu peux, au lieu de sauver cette pierre, tu peux faire Atari. Si noir capture, t'as deux choix. Soit tu protèges cette pierre, noir revient là, ou tu protèges, mais t'as gagné le coup en 1, c'est quand même assez gros, et il y a un bon yossé derrière avec tes 3. Ou alors, tu sacrifies deux pierres de plus en disant, ouais, mais je peux glisser jusqu'à R2. Et en plus, si noir capture ici, bah, tu as eu le coin santé, tu peux jouer ailleurs. C'est plutôt gros. Bon, en l'occurrence, ici, il faut revenir sauver ce groupe. Avoir ce graphe, je crois que blanc a envahi et a vécu. Ça m'étonnerait parce que si blanc envahit et qu'il vit, je pense qu'il gagne la game. Je pense. Mais bon, de toute manière, blanc ne vit pas dans ça. Normalement. Hop, tac. Donc là, tu protèges et noir peut protéger. Ok. Blanc te réduit. Ok. Sache aussi, blanc, du coup, cette fois-ci, que T5, c'est bien quand ton groupe est assez restreint, notamment des je sais qui de coin et tout, là, quand tu fais le Q19, là, c'est assez compréhensible. Par contre, quand t'as un grand espace comme ça, tu peux tout à fait jouer ça, plus solide. La seule petite différence, c'est une question de forme, et surtout, plus tard dans la partie, imaginons il y a un co qui se joue et qui vaut 30 points et ça joue toute la partie. Bah c'est toujours chiant de se manger des petites menaces comme ça, toute conne. Mais effectivement, si tu réponds pas et que tu protèges le co, noir il peut capturer ça. C'est chiant quoi. Alors que si tu protèges comme ça, il n'y a pas de souci, il n'y a aucune menace.
Là, t'as pas besoin parce que c'est tranquille, quoi. Alors, j'avais fini mes deux. Alors, donc, je vais relire au-dessus. Très mauvais, je pense. Tac, ouais, j'avoue. J'ai beaucoup réfléchi à envahir, mais je ne voyais aucun moyen de vivre là-dedans. Non, là, il n'y a aucun moyen de vivre à l'intérieur, t'as eu raison. T'as eu raison. Après, tu as, surtout que comme vous jouiez une partie amicale comme ça, c'est avec le Discord, t'as droit d'essayer. Enfin, on apprend tous d'une manière différente. D'autres, on va te dire ça marche pas, tu vas retenir la forme et tu vas te faire OK. Et d'autres ont besoin d'essayer pour imprimer ça, quoi. Donc, c'est pas grave d'essayer. En DDK, on a tout vu. De quoi tu parles, Chris? Tu veux dire qu'on a vu un peu tous les exemples d'erreurs qui pourraient se faire en DDK? Alors, j'avais fini mes 20 minutes, et j'ai joué F8 en mode rapide, car il n'y avait pas le décomptage. F8. Ah, ça y est juste après? Ah, ok. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. En soi, ça protège un peu. Hein, parce que ici, imaginons, tu fais n'importe quoi. Hein. Imaginons, blanc joue par là. Que noir protège. Pour pas que tu rentres un petit peu plus, il y a Atari. Et si noir protège ces deux pierres, tu connectes. Et finalement, tu prends les pierres. Donc on peut presque dire que ton coup ici protège cette forme. On va dire que c'était volontaire du coup. Des trucs qui doivent pas vivre, qui vivent quand même. Oui, bon ça c'est classique. C'est classique. Tac, tac, ça protège, ça ferme les territoires, ça grignote. Ça fait Atari. Tac, tac, tac. Ça fait du IOC. Attention, là. Attention, blanc. Quand tu joues ça, noir peut venir capturer cette pierre. Attention à ça. En plus, c'est SNT, parce que blanc doit protéger. Noir capture, et ensuite si blanc joue ailleurs, Atari, et encore une fois c'est mort. Donc ici blanc ne peut pas jouer en bas par exemple, et est obligé de revenir comme ça. Et c'est vivant. Oui c'est vivant. C'est... Alors, c'est cet Atari qui m'a fait jouer ça, oui. Ok. Ah, bien vu. Ouais, je l'ai vu et j'ai prié pour qu'il le voit. Pour pas qu'il le voit, ok. Ouais, bah oui. Ouais, t'as dû jouer rapidement. Là, vous êtes en biomie, du coup, c'est ça. Et du coup, t'as joué rapidement et là, tu joues ça. Puis noir vient là et t'es en mode. Ah, et en plus, attends, tu l'avais vu, mais tu viens pas y jouer. C'est gros, hein. Attention. C'est gros. C'est, en plus, on a vu la séquence santé, donc noir peut tout à fait y aller. Et ensuite revenir là. Attention à ça. Hein. Il faut jouer les gros coups il faut jouer les coups qui font vivre les groupes faibles avant les gros coups. Donc ça, tant pis pour la séquence là. Il faut revenir là, peu importe ce qui se passe ici, tant que ça tue pas un gros groupe. Il faut revenir là. Et ensuite, en plus, comme c'est SNT, donc en plus ici, raison de plus. Mais voilà, il faut jouer d'abord ce qui va faire vivre. Et ensuite, tu joues ailleurs. Ou ce qui menace de tuer en l'occurrence. Ouais, là, on avait plus que 30 secondes par coup. Ok, d'accord, je comprends. Tac, tac, du OC. Ouf. Donc là, pour noir, ouais. Cette forme-là, il faut pousser vers le bord. Parce que si blanc descend, que tu ailles par là ou par là, si blanc continue à fuir, ça capture. Donc à partir de ce moment, à partir de S17, la pierre blanche est morte. Et ça, cette forme, vous allez la retrouver très souvent. C'est notamment... Notamment, imaginons, à ce moment-là, blanc joue ailleurs, quand noir vient ici, blanc ne peut pas descendre. Donc cette forme-là, vous allez la retrouver très souvent. C'est d'ailleurs pour cette raison-là que blanc doit défendre un des coups. Très souvent, ça va être ça. Si tu es dans un coin et que tu as besoin d'une forme, ça. Et si c'est vraiment la dèche et que c'est dans certaines situations vraiment précises, en général, c'est des Tsumego que vous allez découvrir plus tard ou sur le tas.
Des fois, il y aura besoin de la descente pour essayer d'avoir le maximum d'espace possible. C'est assez rare, mais ça existe. Et voilà, c'est en général, c'est pour ça qu'on répond un coup, quoi, pour empêcher ce coup-là. Donc, dans la partie, effectivement, ici, c'est vraiment ce coup-là. Alors, je rêve où il y a un bruit de glou-glou. Ouais, c'est mon portable qui reçoit un message. Non, non, tu vas pas arriver. Ah oui, c'est mon portable qui a fait un bruit. Alors, genre S16 fait vivre le groupe en sainteté. S16. Ah. Ouais. Je mets quasiment jamais le son sur mon portable, du coup j'ai pas modifié le bruit que faisait la notif de base sur mon portable. C'est un portable récent, c'est pour ça. J'aurais dû mourir en haut à droite, mais au final j'ai vécu donc. Bah là, en fait, ça fait un an depuis ton SS, tu peux vivre du coup, mais là effectivement, bah, il faut sacrifier ça, tac, et revenir là. Mais ouais, qu'est-ce que t'entends par genre SS fait vivre groupe en santé? Tu dis ça, Master Kiki? Master Rikiki, pardon. Tu vois, je suis pas si sourd, quoi. Eh non, malgré l'âge. Ouais, je vais retirer le son, ça va être chiant. Hop. Voilà, c'est fait. Ouais, non, blanc a dû jouer S14. Ouais, c'est ça. C'est ce qui s'est passé. Ouais. Bref, ensuite, il y a réduction, Atari, Atari. Attention. C'est mort. Attention à ça, hein. Vraiment, vous donnez la vie, la mort ici. Attention. Ah, et tu reviens là. Oui, ça tue, oui, oui. Oui, oui, bah là par contre, oui, effectivement. C'est... ça tue, mais bon. Vous compliquez la vie, là. On arrive à une heure... Oh, ça va, Chris. Toi qui avais peur de perdre des viewers avec ça. Avec la review. Ouais, de toute façon, c'est pas... On s'en fout. On est combien? On est combien sur stream? On est 18, bonsoir à tous. Bonsoir à tous. N'hésitez pas à follow si vous voulez voir d'autres... d'autres revues comme ça. Donc là, oui, ça tue, mais t'as bien plus simple. Hein. Tu fais Atari ici, c'est mort. Tout simplement. Tout simplement. Je savais que j'avais foiré le kill en haut, pas d'autant de manière. Ouais, là, vous avez joué avec le feu tout le long. Hein. Vous jouez avec les nerfs des spectateurs, on va dire. Un coup de bol, le gros. Alors, il n'y a pas S19 Co. Ah si, autant pour moi, pardon. Oui, oui. Non, pardon. Bref, casteur de merde. Non, non, bon, bah c'est très bien, du coup, ton coup. Non, c'est très bien. Ouais, Chris, ouais. Mais comment ça vit, en fait? Non, oui, oui. Et du coup, ça, non, non, oui. C'est mort, pardon, autant pour moi. Et là, c'est la séquence où je vous montre à chaque fois ces trois coups-là. Si on fait ça, on vient en haut 19. Si on fait ça, on vient en haut 19. Et si on fait ça, on vient en haut 19. Le point en haut 19, c'est le point aveugle. Donc celui-ci, ça fait que si blanc vient là pour faire deux yeux, noir vient ici. On ne peut pas reculer sinon capture. Et si on capture ici, bah, noir revient là et il n'y a qu'un seul œil. Ça, c'est un faux œil. Donc ça, ça marche pas. Si on vient ici, noir descend. Si on vient là, Atari. On complète, on se fait capturer. Donc ça marche pas. Et si on vient là, on descend. Si blanc vient ici, ça revient à la même forme que le premier. Donc ça marche pas non plus. Ouais, le coup de la sagesse, effectivement. Ça guérit, vous pouvez dire. Oui, oui, le coup de la sagesse, oui, c'est très bien. Tac, tac, tac. Désolé les gens forts. Alors, ensuite, du coup c'est... Ah d'accord. Donc Noir connaissait bien la forme et s'est trompé sur la fin. T'as joué P19 à la place de Q18, ok. Et du coup ça vit.
Ah, et c'est là où ça rattrape pas mal. En fait, ça remonte et ça redescend parce que ben, l'IA s'attendait pas vraiment à ce que ça vive. Et finalement, il n'y a que 11 points d'écart à ce moment-là. On va le renommer le coup breton. Tac, tac. Donc, il y a du IOC. La capture de ces pierres. Il y a du IOC. Il y a du IOC. Bon, là, c'est fini. Hop. Fin de la partie. Super. Bon, voilà. J'espère que j'ai tout dit. Bon, il y en a qui vont me dire, ah non, il va pas recommencer. On va resurvoler. Donc, voilà. Il y a quelques grandes idées qui se sont dégagées de ça. J'espère que ça vous sera utile. Si vous avez d'autres parties, si vous par exemple vous jouez encore d'autres parties ensemble, on pourra les recommander, hein, ou demander s'il y en a qui sont dispo sur le chat des fois, bah, sur le Discord notamment. Allez pas demander à n'importe qui sur le chat non plus, hein, parce que mais des personnes sur le Discord, s'il y a Crow, j'imagine, n'importe ou Foc ou n'importe quoi, sympa pour les viewers. N'hésitez pas à demander en tout cas sur demande. Donc hop ici sur le Discord. Ouf, on est ici. Je vous mets cette scène. Sur le Discord, vous avez à gauche. Ok, ça se voit pas bien. Vous avez à gauche ici demande de partie pour demander les parties tout simplement. Et du coup, on peut s'organiser ça, même une pédago, une simultanée. Et surtout, demande de commentaires. Comme ça, vous postez ici et on essaye de voir quand est-ce qu'on pourrait commenter ça ensemble en stream. Ça peut être sympa. Ouais. Du coup, voilà, n'hésitez pas. N'hésitez pas, n'hésitez pas. J'en profite si jamais je mets cette vidéo sur YouTube parce que ça peut. Parce que j'ai commenté pas mal de vidéos de Single Digit Q, donc SDK. Mais là, peut-être que ça peut intéresser certaines personnes. Donc si je mets ça sur YouTube, les YouTubiens, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner à la chaîne si ça vous a plu. Et à proposer vos propres parties si vous voulez être commenté également. On commente ça en général en stream. Voilà.